Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo tout simplement de Pickle Magico Tree. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas relancé ce pack et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire aujourd'hui. Du coup, vous étiez nombreux à demander en fait si je mettais en fait un autonomous derrière avec un activateur, comparateur et autres. Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Donc du coup, je le fais pas. Mais je le ferai bientôt. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que j'ai pas mal avancé ici dans TimeCraft. Naturellement, je les ai fait off parce que les shards, il fallait les trouver, il fallait les grignoter dans les cavernes et autres. Et en dessous, c'est des bibliothèques. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour permettre de recharger en fait les aspects primaire, secondaire, tertiaire, etc. Qui se trouve un petit peu lent d'ailleurs. Mais ça va. Ça prend son chemin, ça prend son chemin. Du coup, au niveau des quêtes, parce que j'ai avancé un petit peu, surtout sur celle-là en fait. Parce qu'il va, il fallait en fait tout simplement, fallait tout simplement scanner tous les objets éventuels. Et du coup, le truc le plus chiant qui était à chercher, c'était celle-ci, la Tainted Good. Alors, j'en ai ramené, et en fait, je savais plus où est-ce que je l'avais fait, où je l'avais vu ce biome. Donc, je suis allé chercher loin. J'ai eu les forêts de pure, je suis allé très loin, j'ai rien trouvé, je suis remonté. Et je repassais par ici, et ici en fait j'ai trouvé tout simplement les biomes, le biome corrompu qui sert justement à ce que j'ai trouvé. Donc il y a un donjon ici, et puis il y a une autre taint en fait qui est ici qu'on ira chercher plus tard. Je vois qu'il y avait beaucoup de zombies. Et il y a beaucoup de zombies. On va se calmer hein, sinon moi je suis pas content. Hein, bon. Donc du coup, voilà. J'ai fait quand même pas mal de choses. Salut petit zombie, ça boum. Ah ouais, ça me boum bien. Donc, du coup, alors, ceci étant fait, on va pouvoir attaquer à une partie secondaire. Oh, salut toi. Hop, hop. Pas ici, c'est ici. Alors, au niveau de tout ça. Une fois que j'ai scanné ça, j'ai pris ça en fait, ça me sert plus qu'autre chose. Et du coup, dans le bag là, j'ai reçu des Arcane Stones, donc je suis plutôt content, sachant qu'il m'en fallait une pour déverrouiller. J'en ai eu, du coup, plus. Et du coup, je vais déverrouiller tout ça. Voilà. Donc du coup, j'en ai 15, donc ça c'est parfait. Maintenant, il nous demande ensuite de faire des arcanes piédestales. Les arcanes piédestales. C'est tout simple, hop, on prend le livre, on va ici, nous regardons ici, voilà, ah, je ne l'ai pas débloqué, hop, je le débloque, donc voilà, hein, on va faire le Runix Matrix, mais voici les arcanes piédestales, c'est juste des arcanes blocs formés. Comme ceci. Par contre, oui, ça bouffe un petit peu beaucoup d'arcanes. C'est un petit peu les inconvénients. Donc, il va me falloir des shards. Et dans tout ça, il m'en faut 12. Et sachant que pour l'instant, je n'en ai que 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on a des shards. J'en ai pas ramené plus que ça. Oh. Avec tout ce que j'ai fait au sol, j'étais sûr d'en avoir amené plus, mais non. C'est un petit peu problématique ça. Et oui, c'est vrai qu'on peut faire des chartes de tout et de n'importe quoi. Je peux pas avoir des chartes de ça. Ouais, forcément, ça demande quand même pas mal de choses. C'est plutôt embêtant tout ça. Ah, et en plus des air shorts, ça pourrait être tellement pimp. Mais je pourrais travailler l'EMC en parlant de ça. Hein. Si vous étiez pas mal à me demander quand est-ce que tu vas commencer les EMC. Eh ben, je vais bientôt les commencer parce qu'il va me les falloir quand même. Donc, est-ce que j'ai de la laine? Parce que, oui, il me faut de la laine. J'en ai là.
j'ai pas d'autres strings. Il m'aurait fallu des strings, personnellement. Malheureusement, je n'en... Ah, si. Alors, pourquoi je fais ça et pas tout de suite ce que je voulais faire? Tout simplement, déjà, j'ai plus de cobble. Il m'aurait bien fallu un petit générateur de cobble. Oh, bah, si, si, tiens. J'ai ce qu'il faut, là. Hop. On va aller ici, on va mettre nos 4 shards ici. Et on va faire ceci. Voilà. Bon, ça va, on en a fait quand même un peu plus. Je pourrais en mettre 3 autres. On va mettre les ordos, même si je devrais aller rechercher un petit peu tout ça. On va faire ce qu'il nous faut. D'abord. Alors, j'en ai 10 et il m'en refaut une pour faire les 12. Voilà, je les ai eu, c'est magnifique. Donc, au niveau de la quête, du coup, on va prendre ceci, naturellement. De toute façon, ça nous redonne tout ce qu'il faut. On regobe tout ça. Ça, c'est les aspects qu'il faut. Ensuite, il me demande ensuite de tout simplement d'avoir notre armure. Et oui, l'armure en diamant, ça allait pas mal et tout, mais comme c'est complètement buggé à cause de ça, le running protection, du coup, en fait, qu'on ait une armure ou pas, bah, ça change rien, mais absolument rien. Donc, du coup, autant servir des bugs du jeu, hein, ce qui est quand même con, mais il faut le faire quand même. On va se faire les premiers fabriques. Alors, les premiers fabriques se font tout simplement comme ceci. Voilà, j'en ai un, je le scanne. Voilà, scannez toujours ce que vous faites. Et ensuite, il nous demande d'avoir les bottes. Donc, bon, voilà, on va tout prendre. Hein. 11, je suis pas sûr d'avoir tout, hein, en tout cas. Voilà. Bon, j'ai scanné ce qu'il faut. Donc ça, ça va faire un vis discount de 2. L'armure elle est top hein, mais c'est quand même bien d'avoir moins. Alors du coup ça je l'ai et il me demande les leggings. Et les leggings forcément bah c'est de la laine. Si ce n'est pas beau tout ça. Donc du coup bah je vais devoir aller chercher de la laine. Donc aller chercher des moutes moutes. Et faire ce qu'il faut parce que je n'ai pas ce qu'il faut évidemment. Donc bah du coup salut toi. Du coup bah je vais aller chercher des moutes-moutes. Ah bah il y en a à côté, attendez, il y en a à côté. Et toi, avant que t'ailles dans le portail. Ah une laine, waouh. Ah ça va, il y a assez de moutes-moutes dans le coin, bah c'est bon. Eh vous êtes gentil mouton aujourd'hui. Vous êtes pas souvent à me donner de la laine, hein. C'est moi qui vous le dis. Oui, forcément, il n'y a pas de grâce au sol. Donc du coup, bah ils sont pas forcément d'accord pour repousser dans l'immédiat, mais bon. On va manger ça. C'est tellement bon. Salut le chip. Salut toi. Merci. Hey mec. Ah oui, je l'avais déjà scanné. Bon, ça va. On est quand même dans un biome, en fait, on est plutôt tranquille au niveau des mobs, principalement. Mais en plus, l'avantage, c'est vous voyez, il y a énormément de moutons. Donc, dans ce terme-là, pour avoir de la laine, bah, vous êtes plutôt tranquille. Et ça, bah, ça, je trouve ça cool, personnellement. Alors, je vais pas forcément m'éterniser non plus... H24 dans le... Merde. H24 en fait dans le village, je vais m'étendre. Forcément, je vais forcément m'étendre pour faire quand même ce qu'il faut. Alors, j'entends par là surtout, c'est que je vais faire des petits hublots en fait, des... on va dire des genres d'îlots. Mais principalement que pour... oui. Merci. Principalement, en fait, surtout pour envoyer, par exemple, le Tomcraft d'un côté, le truc de l'autre. Voilà, ce genre de choses. Il n'y a plus beaucoup de vis, d'ailleurs. Tiens. Hop. Voilà. Scannage. Hop. Malgré que j'aime bien les bottes, hein, les trucs-là, mais bon. Donc, ceci étant fait, il nous donne bah, tout. C'est magnifique.
et nous donne un Reaper 2. Oh, c'est pas mal le Reaper 2. Wow. Et Tenten Chicken. Oh, ça c'est déjà cool. Il nous donne des comment? Comment on appelle ça déjà? Des œufs de comment? Bah tout simplement de mob teinté, donc c'est du biome corrompu. Voilà. Alors, du coup, pas ceci étant fait. Il nous débloque pas plus de choses. Ici, ça nous débloque pas plus. Ici, ça nous unlock pas mal de choses. Et là, c'est les Google of Revealing. Alors, les Google of Revealing qui se trouvent là. Si tout simplement, en ayant l'item emetteur, qui est ici, plus 2 gold et 4 cuir, on va pouvoir le mettre sur la tête. En le mettant sur la tête, on peut distinguer de loin des nodes qui nous permettront... évidemment plus tard à recueillir ce genre de choses. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Je sais plus. Ça c'est de l'or, hein, ouais. Putain, c'est 2 charmes pour le faire. Mmh. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, au pire, j'ai toujours ceux-là. Je sais pas si ça passerait si je les utilise, ceux-là. 1, 2. Bon, on va faire ce qu'il faut. Alors, 2 glaces, 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Les deux, ça passe. Ensuite, on fait... un petit craft de l'amour. Ça marche même pas, tant pis. Hop, 1 et 2. 3, 4. Voilà. Alors, insuffisance. Ok. Alors, il nous dit qu'il a pas assez d'air. C'est un petit peu embêtant. Par contre, lui, il en a assez, donc bah, c'est parfait. Hop. C'est parfait. Bah, lui, je le regarde. Et lui, je le remets là-haut. Hop, et on le met sur nos lunettes. Donc ça, c'est magnifique. Ah, oh, bah ça, c'est bien. Tiens, hop. C'est magnifique, ça. Du coup, on est tranquille. On a ce qu'il faut. Et il nous demande entre un blood infusion iron, un bug ou du thomium. Je vais peut-être prendre le blood infusion. Parce qu'il a l'air un petit peu assez chiant. Surtout, c'est du Blood Arsenal. Blood. Comment on fait le Blood? Blood Arsenal. Ah oui, c'est du tier... ah non, ça c'est du Wood. Mais ça a l'air un petit peu chiant. Ah, c'est du tier 3. Donc oui, on va peut-être le prendre. On va prendre celui-ci. C'est nettement mieux avantageux pour nous. Alors, le Blood Arsenal, du coup, c'est un autre mode, c'est le Blood Magique. Blood Arsenal, Blood Magique, ils vont ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça m'a donné des Laser Boots. On gardera pour plus tard. Du diamant. C'est plutôt fort intéressant, et je les ai pas scannés, ceux-là. Tiens, c'est con. Alors, du coup, diamant, ça, ça, la string, je les ai pas scannés. En fait, j'ai rien scanné ici, moi. En fait, j'avais quasiment rien scanné. Sulfure. Ah oui, j'ai essayé de les scanner pendant un temps, mais je ne pouvais pas. Les Wither, les Netherwart, la Blaze. Draconium, Underpearl. Soul Sand. Ah, débloquer une chose. J'ai débloqué. Ah, ok. Ah, j'ai débloqué une recherche. Et voilà. Bon, bah c'est cool. J'ai pu débloquer pas mal de choses. Hop,
Alors toi tu viens là. Ça je garde, ça je vais garder. Le mixette je vais le foutre là. La stone, l'échir, la manage, tiens, je vais la foutre là. Ça je vais le scanner. Bon, normalement j'ai tout scanné là-dedans. Ouais, je dois avoir tout scanné. Donc c'est bon, c'est parfait. Et le Reaper 2, on va le laisser là. Le Reaper 2, en fait, il sert à quoi? C'est tout simplement si vous avez des aspects sur vous, avec comment un petit stock sur vous, en fait, vous pouvez réparer. En fait, c'est comme si vous avez Unbreaking, ou les nouveaux enchants Mading, comme la 1.9, ça vous repair, en fait, tout simplement avec le temps. Avec le temps, bah votre armure, sachant que là elle est unbreakable complètement, ça ne sert absolument à rien de le mettre. Voilà, c'est surtout pour ça. Hop. Du coup, bah ceci on a fait, maintenant il nous demande de faire des balancées de shards. Alors les balancées de shards, à bien apprendre et à les faire, c'est surtout ça. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Je suis sûr que je peux pas les faire autrement. Ah, et qu'avec ça, hein, forcément, on peut que les faire qu'avec ça. Alors, à savoir une chose avec les balancées de shards, on peut les faire d'une façon plutôt très sympa d'ailleurs. Très facile à faire quand on a tout ce qu'il faut. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que déjà on va chercher notre seau d'eau. On va faire bouillir ceci. C'est important. On va ramener de l'eau. On va chercher des blaze rods, bah des blaze powder plutôt, de la cobble, c'est important de la cobble, bah c'est pourquoi on a des aspects dedans, ah oui, comme toute chose en fait, on a des aspects, et on va chercher de la canne à sucre, alors il nous en faut 2, 4, 6, j'ai des 6, pas une trentaine, et vous avez vu, on peut voir la node grâce en fait à ceci, on peut voir en fait la node qui se trouve là-bas, on peut voir toutes les nodes du coup. Aussi, bon, forcément quand la distance nous le permet aussi, voilà, on peut la voir. Mais voilà, ça évite en fait d'avoir le thermomètre en fait dans la main pour pouvoir les scanner. Alors, du coup, on en a deux, on en a hop, 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 la cobble, nous en faut plus ici, plus là. Je sais que j'ai une blaze rod quelque part, j'en ai là. Ah, ça nous en donne que deux. Voilà. En fait, ce que ça va faire, c'est tout simplement, maintenant, une fois que ça boue en fait, quand vous balancez des objets dedans, vous les voyez. Quand vous faites ceci, ceci, vous les voyez, et vous faites ça. Voilà. Et là, ça va vous recracher en fait une balancée de shard. Cette balancée de shard, forcément, vous la scannez, et vous êtes content. Vous refaites pareil, vous refaites chauffer de l'eau, vous remplissez, vous attendez que ça boue. Voilà, ça boue, et vous jetez votre cobble, votre blaze, votre hop, et hop. Et vous faites la même chose pour l'autre. Bon, bien sûr que je l'ai pas, forcément, hein, sinon c'est pas drôle. Et évidemment, il nous en faut 3, sinon ça serait pas cool. Est-ce que pour les bienfaits de cette vidéo... Parce qu'on va se terminer là quand même. Est-ce qu'il est possible que je me la give juste pour éviter d'aller rechercher dans les mines et d'aller rechercher une putain de balancée de shard. Donc oui, on va se la prendre. Ce qui est un peu dommage, on va se la prendre. Il faudrait que j'aille refaire le plein. Balancée de shard, order. Hop, tuc. Oh, il se give, c'est pas bien, nanana. C'est juste pour les bienfaits de votre vidéo. Donc du coup, voilà. Alors, ensuite vous faites... Cobble, blaze, canne à sucre, voilà, et votre shard. Et voilà, et le résidu, bah vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous en voulez. Alors quand vous en voulez, vous faites un shift, hein, et un clic droit, ça permet en fait de vider le tank, le cauldron, le crucible, avec les aspects qu'il y a dedans. Voilà, donc j'en ai 3, il est content, il m'en rebalance 2, donc c'est plutôt content. Du coup, au niveau de la quête, maintenant, il nous va nous unlock 2 quêtes. Alors, il nous demande d'avoir du thomium ingot. Alors, l'avantage de moi, c'est que j'en ai déjà. Donc, du coup, bah, je suis tranquille.
Je vais prendre le bike cette fois-ci. Hop, en plus, c'est un basique. Ah, il aime bien les poules, le mec, hein. Il aime bien les poules. Du coup, ça m'a unlock deux quêtes. Malheureusement, ça ne débloque pas les quêtes ici. On va essayer de se faire un One Focus Fire. Et évidemment, il faut peut-être que je le débloque avant. Alchimie, artifice... c'est artifice? Non. Alchimie? Non plus? Thaumaturgie, ah oui. Hop, Wand Focus Fire. Le Wand Focus Fire, c'est tout simplement... quand vous le mettez sur une baguette, en fait, vous pouvez tirer des jets de flammes. Oui, des flammes, ah oui. Non, des jets de flammes, en fait. Et du coup, il vous faut une Fire Shard, 4 Fire Shards. Forcément, je vais plus les avoir. Ah si, j'en ai 2. Oui, mais j'en ai que 2. C'est un peu problématique, ça, tiens. Là-dedans, ça me donne quoi? De la merde. C'est pas mal aussi, tiens. L'avantage, c'est qu'on peut scanner tout. Malheureusement, je peux pas trop scanner autre chose. Ah. Et je n'ai pas ce qu'il faut pour avoir les charmes. Donc je vais éviter de me regiffe quand même tout ça. Ça sert trop à rien que je me giffe ça. Ça sert vraiment à rien. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là dans cet épisode. Là où on te focus, vous avez vu le craft que ça fait. C'est juste 4 fire shards que je n'en ai pas. Malheureusement, je ne peux pas les avoir pour l'instant. Et, ah, je peux les avoir comme ça. Deux fire. Alors, deux blaze powder. Et un permutatio. Je vais peut-être les faire avec vous, finalement. Bon, ça me fait chier de gaspiller ça, mais... pour les bienfaits, je vais les faire. Hop. Il me faudrait du permutatio. Le permutatio, je sais qu'on peut le trouver dans le copper. Cependant, je voudrais bien essayer de le trouver autrement, avec le moins d'aspect possible. Forcément, il va être à la fin, ce con. oui, forcément, le copper. Tu m'emmerdes un peu, là. Je t'avouerai que je m'emmerde un peu. Golden. Ouais, je peux pas... Je peux pas faire ce que je veux. Ouais, le void. Le sucre. Ah, malheureusement, je vais pas pouvoir faire ce qu'il faut. J'en suis désolé. Ah, j'ai la gunpowder aussi. Ouais, pas mal, mais j'ai pas ce qu'il faut. Bloc de quartz. What? Il me fallait pas du quartz pour quelque chose? Si, hein, je crois. Voilà. Bon, écoute, j'ai du quartz. Je vais me chercher deux copper. Je vais essayer avec le copper. Ça va me donner plein de résidus, par contre. Ça, c'est un peu problématique. Mais ce n'est pas très grave, au pire. Copper. Alors, oui, déjà, j'ai pas de copper. C'est très bien. Viens là, toi, ma cocotte. Évidemment, j'ai pas de wrench non plus. Ah, mais c'est quoi ce truc? Alors, un tin, 3 fer. Voilà. Alors, un tin, 3 de fer. Du tin. Forcément, je vais pas en avoir. Je le sens gros comme une patate, là. Bon bah malheureusement je vais pas avoir ce qu'il faut non plus. Ça c'est problématique par contre. Est-ce que j'ai au moins du tin là-dedans? Iron, steel, bronze, gold. Bon bah j'ai pas ce qu'il faut. Donc du coup bah il faudra attendre la prochaine fois. Malheureusement. Ah, j'ai vraiment rien récupéré. C'est fou. J'ai vraiment rien récupéré, j'aurais pu faire couler ce qu'il faut, mais là ça ne veut pas. Bon bah tant pis. Du coup on va se laisser là les gens,
Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas le pouce. Et attendez-vous pour le prochain épisode pour continuer un petit peu notre aventure. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Oh oui! J'ai pas de tin, j'ai vraiment pas de tin. Dis-moi que j'ai du tin, allez s'il te plaît. Dis-moi que j'ai du tin. Ah, c'est de l'acacia. Bon bah j'en ai pas. Désolé, bisous.